Salut à tous les amis, c'est Gunty sur GTA RP. Bah ouais, tout le monde en parle. J'ai une petite place sur le serveur Genesis, Genesis Live City, qui est vraiment super bien. Donc du coup, bah petite session chasse. Donc bah voilà, moi je suis triste, je viens de sortir de prison, j'avais même pas eu de quoi m'acheter un pantalon. Allez travailler, ça m'ennuie. Donc moi je vais aller chasser. Donc voilà, on va juste faire une petite vidéo. Ça va être une petite session chasse. Il y a un parcours, il est marrant. Bon, maintenant voilà, on a le fusil, donc c'est un fusil à poudre, un mousquet, on a la petite tenue et puis on a la Jeep. Donc c'est un petit parcours, on va dire. Il n'y a rien d'aléatoire, c'est dommage, mais bon, je pense que ça va venir. Et voilà, bah du coup voilà, comme tout à l'heure j'ai arrêté et puis je suis revenu. Du coup j'ai déjà de la viande sur moi en fait, parce que j'étais en train de le faire. J'attendais que le jour se lève pour lancer la vidéo. Et je vois du coup on a repris la file. Donc allez, on est parti. On va chasser des choses. Alors voilà, ce qui est dommage, c'est que les autres créatures qu'on va trouver comme ça, on va pas pouvoir les dépecer, c'est dommage. Et ils ont eu peur, hein, parce que les créatures qu'on doit chasser, elles ont pas peur. Alors elle va se mettre à courir si je tire à côté. Mais là, je peux vraiment faire ce que je veux, y a aucun souci, quoi. Voilà, bah là, c'est fait. Alors elle est debout, quoi. Vas-y, tu bouges pas. Bon, voilà, pareil, quand on les percute en voiture... Ok, pas mal, la position. Quand on les percute en voiture, c'est pareil, on peut les ramasser encore, alors que, bon, bah ouais, je sais pas. Mais ça va venir, hein. Ce sera des petits ajouts qu'on a au fur et à mesure. Allez, on continue le parcours de chasse. Voilà, et du coup il y a une petite puce GPS sur les animaux, on peut dire. Donc c'est pas trop interactif, hein. Mais c'est pareil, ça c'est des choses qui viendront avec le temps. Bon, en tout cas c'est sympa. C'est sympa de, par exemple, de se forcer à respecter le code de la route sur, on fait un peu comme on peut sur GTA. Même si bah voilà, on s'arrête pas au feu rouge, on essaye de marquer des temps d'arrêt, ce genre de choses, mais d'être le plus RP possible, quoi. Mais bon, bah c'est vrai que du coup c'est pas évident, parce que des fois les voitures elles partent en couille, on fait des trucs pas possibles et tout, et bah c'est dur, ouais, on se retrouve souvent en mode arcade à faire des trucs bizarres, hein. Et allez, allez, une vache, quoi. Vas-y, Marguerite, quoi. Merde, j'ai plus le... Ici, je l'avais... Je vais pas me la faire à la main, Marguerite. Ce serait lui manquer de respect. Il y a un petit cougar là-bas. Touché. Mais je vais aller voir, mais je crois pas qu'on puisse le dépecer. C'est bon, voilà. Alors ça, c'est un mode qu'on retrouve dans le 1, hein, avec Trevor et Clayton, ou Claytus, si je ne m'abuse. Le bon campagnard. Le bon campagnard. Elle va pas tomber, la voiture. Ça va être bon. Et du coup, bah voilà, c'est sympa. Mais non, voilà, c'est dommage. Pareil, il y a des petits lapins, les petits cerfs et tout. C'est dommage. Ça devrait être, ou au contraire, on est lâché dans une zone prédéfinie, une zone de chasse, quoi. Et puis bah voilà. Mais je pense que ça va venir, parce que déjà, ils ont eu à cœur, en tout cas, au début du serveur, il n'y a pas de deux farms identiques. Et ça, c'est sympa. Même si ça reste, on a le classique schéma récolte, traitement, vente. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est pas deux fois les mêmes, en fait. Et c'est vrai que du coup, la chasse, ça reste le plus original quand même, quoi. Et du coup, ce qui fait qu'en fonction du temps qu'on a à consacrer, il est où? En fonction du temps qu'on a à consacrer, c'est sûrement un lapin. Et bah voilà, on peut prendre un farm différent en fait, en fonction, bah voilà, je viens de le dire pour la troisième ou quatrième fois, en fonction du temps qu'on a à consacrer. Bah non, je suis intrigué, il est où le truc? Ah, peut-être c'est un petit bug, est-ce que c'est la fin du parcours? Hop, bon bah ouais, on est reparti. Bah du coup, j'ai enregistré les logs en fait, hein, et puis je vais leur envoyer ça. Du coup, bah on va revoir si le spawn est à repopper, et puis bah sinon bah je vais aller vendre, et puis on va voir les sous qu'on fait, et on va voir où on vend aussi, parce que j'y suis allé, c'est très très sympa. Bah j'ai juste fait un tour en fait, une fois j'étais tué deux bestioles, c'était avant une tempête, et puis j'étais vendre en speed et j'étais revenu. Ah bah voilà, là il a spawn, ça roule. C'est un beau cerf, il est joli, ça c'est le cerf dans Oblivion, où il y en a qu'un, on est obligé de le tuer. Non, c'est Unicorn, je confonds avec Skyrim, je sais plus, mais toujours un truc comme ça, c'est drôle. C'est la créature la plus belle du jeu et il faut la tuer en fait pour le dieu de la chasse dans Oblivion, ouais, comme dans Skyrim, c'est assez drôle. Bon, ça roule, je vois la tempête, elle est, je m'étais dit 20 minutes avant la tempête, j'irai vendre. Allez, je me fais un dernier. Bah voilà, hein, du coup, je sais pas combien il y a de points de spawn au total, là du coup, je suis assez loin, là c'est pas mal. Du coup, j'ai l'impression que ça c'est vraiment le spawn où, on fait vraiment en fonction du... On s'en fout en fait du temps qu'on a, c'est-à-dire on peut faire... Bah le trajet est quand même un peu long, mais... On peut faire 10 000 balles très rapidement si on n'a pas trop le temps, quoi.
Oh mon dieu. Oh putain, ouais voilà, je parle, hein, je fais de la merde, je fais pas attention. Oh putain. Je vais reprendre la manette. Oh c'est pas vrai. Oh c'est pas vrai. J'ai cru que j'allais décéder, hein. Tout va bien. Je reprends la netma. Ok, hop, petit coup de frein à main. Tranquillou. Tranquillou. Du coup, voilà, on a le 4-4 de Trevor. C'est assez sportif. Mais voilà, du coup, il faut s'acheter un petit 4-4. Faut avoir un véhicule à soi pour ouvrir le coffre. Donc, faut s'acheter un petit 4-4. Et puis, c'est ça en plus. C'est ça en fait, faut que je m'achète. Limite, carrément, je m'achèterai un petit 4-4 pour la chasse. Ça, ça fait bon. Voilà, on reste dans le RP, même si c'est pas le véhicule de fonction. Putain, une vache quoi. Merde. J'ai failli la percuter. Marguerite. Marguerite. Je suis désolé qu'on en arrive là, toi et moi. Bah ouais, je sais. T'as une petite cloche en plus. C'est une vache Milka. Pardon. Pauvre vache. Merde. Je suis désolé. Putain, je te piétine la tête. Y'a pas de respect en plus. Hein. Je suis désolé, Milka. J'ai du mal avec la manette, c'est un truc de ouf. Bah allez, on va vendre. Il est où le dernier? Bah, allez, je vais vendre, je vais voir combien j'ai là. 17 viandes. Donc ça aussi, je crois, entre 300 et 100 en fait. C'est bien. C'est bien. Bah, allez, je vais vendre, je sais pas, je peux y attendre combien de temps là. Allez, il me reste 25 minutes avant la tempête. Hop, un dernier et c'est parti. C'est parti les moumoutes. Moi cette musique de merde. Oh putain, je sais pas conduire. Ah ouais, c'est un ravin qu'il y a derrière, d'accord. Ah mais on peut trop mourir en fait, il faut suivre les routes quoi. Alors je conçois que pour ce genre d'exercice, l'idéal ce serait une motocross avec un Uzi quoi. Bon, on serait plus trop dans l'ambiance quoi, dans l'esprit du gars, du chasseur quoi, tout simplement. Waouh. Mais sinon, ouais, avoir des petits animaux qui se promènent, on peut faire un petit rabatteur en moto quoi, et puis un chasseur derrière. Oh, putain. Ça peut être sympa. Parce que là, du coup, en groupe, je sais pas comment c'est géré, s'il y a deux animaux ou si chacun peut récolter sur le même pour faire une partie de chasse avec le poteau. Il est où le... Il est en bas. C'est une chèvre. Ah ouais, mais. C'est une chèvre, du Pakistan. Non, je l'ai loupé. Fuck. Oh voilà, c'est maintenant. Putain, ça va se terminer en essai. Putain, t'as rechargé du coup. Ouais. Oh, j'ai cru qu'il allait se relever. Il a fait un vieux avant de mourir. Ah, saloperie quoi. Qui lui fait un toucher rectal. Bon allez, je file. Bah là du coup ouais, ça va me retarder. C'est pas grave. Je sais pas si les ressources partent après la tempête. Oh putain, ça va être dur. Heureusement on a toujours les bons réflexes hein, de prendre les collines de travers. Ah. Skyrim. Ouais, Skyrim. Oh, je peux mettre là et tout, énorme. Bon les gars, on va à la chasse. Sympa. Hop, ça va pas tomber non plus. Allez go. Ah, il est à côté, c'est tentant, mais non, non, allez go. Je vais vendre. Boum. Ah, il me fait passer par où là? Ouais, mais non. Ah, je confonds la marche arrière sur la manette. Non. Non.
Bon allez, c'est pas ici que je vais trouver. Premier biker, mais de toute façon je suis un bad guy. Je ressemble à Heisenberg. Premier biker qui passe, il se prend une toute touche dans la tête. Il va prendre méga cher. Mais il n'y a personne. Il n'y a absolument personne quoi. Eh, j'ai pas perdu malgré les années quoi. Eh. Oh, oh, oh merci Alléluia. Merci Jésus. C'est dans ces moments-là qu'on se dit putain. Qu'on se dit putain, il y a une force au-dessus de nous qui veille sur nous en fait, mais pas forcément non. En fait, pas forcément. Bon bah voilà, on y est les amis, hein. Je suis parti vendre ma viande du coup. J'en ai refarmé un petit peu et puis je suis parti là, j'en ai 22, ça va faire des sous. Bah ouais, c'est quoi le souci? C'est ma maison. C'est mon camping-car quoi, j'habite dedans quoi. Il faut que je m'achète une petite voiture parce que là les motos elles sont beaucoup trop chères et puis le camping-car, je pensais qu'il roulait bien, j'ai pris le meilleur modèle. Mais bah il est un peu charrette quoi. Hein, c'est pas par là qu'il faut aller, il est vraiment charrette. J'ai pas un passe-droit pour rentrer moi, il n'y a pas de portail. Ouais, piece of shit toi-même, allez avance. Il paraît que ça passe pas quoi, putain. C'est que là je passe inaperçu. Avec mon camping-car tout pourri. Personne ne devine que c'est moi. Alors c'est particulier pour rentrer à l'abattoir. Voilà, je pense que c'est là. Pour les chargements. Et ben non, voilà, c'est de l'autre côté. De l'autre côté. Merde. Putain, j'ai trop de mal avec la manette. Reculer, tourner, avancer. Merde, par où j'étais? Faut refaire le tour du bâtiment. Je suis handicapé, c'est pas possible. La mafia italienne quoi. Merde, je décharge par où mon camping-car quoi. Dans ce sens-là. Hop. Et il faut aller tout au fond. Je sais plus s'il y a une mission par là qui nous amène par là dans le game. Je sais plus. Ah c'est sympa. Oh c'est sympa. Ça donne envie de manger de la viande. Oh. Voilà. Ouais, c'est pas bien. Eh ben ça marche bien. Bon bah allez.
Je vous fais des bisous les amis, je vous dis à bientôt, parce que ça devient un petit peu chiant. Le temps que ça monte, mais ça va me faire un bon. Il me reste encore une 9. Ça va me faire un bon petit pactole à la fin. Je pense que je vais m'acheter une petite mini et puis je vais aller me promener. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. C'était Gunti, ciao.